vois une vie transformée par l'annonce du royaume de Dieu, par une prière de libération, par une exhortation, par un encouragement. Lorsque tu vois le visage de quelqu'un qui était défait, lorsque tu vois de quelqu'un qui avait le dos courbé, lorsque tu vois quelqu'un qui était abattu, mais au travers du travail de Dieu, lorsque tu as travaillé pour cette personne, pour servir cette personne, au nom de Jésus, que tu vois la personne se relever et que tu vois la personne reprendre courage, lorsque tu vois la personne se remettre à marcher à nouveau, lorsque tu vois la personne, son visage a changé, là où il y avait la tristesse, le sourire arrive. Frère, aucun salaire ne peut se comparer. La Bible dit, quand on parle de domination, tu ne peux dominer que lorsque tu travailles spirituellement. J'ai pas entendu ton amen. Arrête de me dire, oui, parle-nous du règne, on parle du royaume de Dieu, je suis la tête et non la queue, le Seigneur m'a appelé, je suis béni de toutes sortes de bénédictions, c'est vrai ce que tu dis, mais si tu ne fais pas le travail de Dieu, tu ne pourras pas dominer. Dis-le, j'ai une autorité en Christ. Frère, si tu ne crois pas ça, le problème c'est parce que tu ne crois pas ça que tu ne vois pas la puissance de Dieu dans ta vie.